Combien l'équation 7 fois le sinus de x plus 2 fois le cosinus au carré de x est égal à 5 d'inconnu x appartenant à cet intervalle de 0 fermé à 2 pi ouvert possède-t-elle de solution? Partons donc de l'équation trigonométrique donnée et remplaçons le cosinus au carré de x par 1 moins sinus au carré de x en vertu de la loi fondamentale de la trigonométrie. Ici, nous pouvons distribuer ce 2 et ainsi nous obtenons cette équation trigonométrique ne contenant plus que des sinus de x. L'inconnu x apparaît donc uniquement sous la forme sinus de x. Alors posons y est égal à sinus de x. Ainsi, nous obtenons cette équation du deuxième degré en y qui a pour solution 3 et 1 demi. N'oublions pas de retourner vers x, back to x. Si y est égal à 3, ça signifie que le sinus de x est égal à 3, ce qui est impossible parce que le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1, ne peut donc jamais être égal à 3. La deuxième possibilité, y est égal à 1 demi, mène donc vers sinus de x est égal à 1 demi, et on n'a même pas besoin de déterminer les solutions de cette équation. Il suffit de regarder dans le cercle trigonométrique pour voir qu'elle a en fait deux solutions dans l'intervalle donné. Les voilà, ces deux solutions, mais on n'avait pas besoin de les déterminer pour répondre à la question posée. Il y a deux solutions, donc c'est le C, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.